à tous et bienvenue dans votre émission À vos fourchettes. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale automne. Avant de rejoindre Frédéric Jeuneau, notre monsieur fruits et légumes, eh bien, je vous invite à regarder tout de suite le sommaire de cette émission spéciale en images. Une émission consacrée à la cuisine automnale. Quels sont les produits de saison? Vous en saurez plus sur le fruit phare du moment, la châtaigne. Et c'est Marie Rougier, une chef autodidacte récemment étoilée, qui vous apprendra à réaliser ces recettes faciles et savoureuses. Vous verrez que cette femme douce mais déterminée est aussi passionnée par sa région natale de Bergerac. Et en fin d'émission, l'expert en breuvage Renaud Laurent vous apprendra à faire les accords mets et vins de ce menu 100% saveur d'automne. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour Catherine, Grégory, enchanté. Bon Fred, alors, donc là tu m'as dit c'est le petit primeur comme on les aime. Voilà, comme on avait dit, ouvrir l'œil. Toujours. Et ben voilà, là on va ouvrir l'œil. Regarde, on est dans les produits de saison, saveur d'automne. On est en plein dans l'automne. Exactement. Et là, on va avoir une catégorie de fruits vraiment de beaux produits. Regarde, alors c'est quoi? C'est du raisin principalement? Alors, on est dans le raisin, on est dans les poires, on est encore dans la figue. Ça, c'est AOC Figue de Solier. Celle-ci, on la reconnaît. On a ouvert l'œil, ça, c'est la meilleure. Est-ce que les gens viennent vous voir avec la connaissance sur les différentes saisons? Là, on sort de l'été, on arrive à l'automne. Est-ce que les gens vont avoir le réflexe d'aller vers des produits de saison? Alors certains, oui, connaissent les produits, d'autres un peu moins, donc c'est vrai qu'on est là pour les conseiller. Vous voyez, comme bon bal raisin, là, qui est une nouvelle variété. Donc, ça, c'est quoi si comme vous raisin? Connaissez. Non, je ne connais pas celui-ci. Donc bien c'est ça. Du Cernat Inta. On peut goûter? On peut goûter, bien sûr. Alors attention. Hein, attention, parce que... Raisin français, de Moissac, donc... Voilà, raisin sans pépins. Là, on est dans les variétés de Moissac. Tu vois, là, on a le Santalia, le gros sans pépins blanc. Mm-hmm. Et là, on est vraiment sur la Rolls Royce. Mais sinon, tu as d'autres raisins. Regarde, tu as le Muscat. Moi, j'adore le Muscat en général. Muscat, voilà. C'est une AOC aussi, Muscat de Ventoux. Et l'Italia, le grand classique. Qu'on trouve un petit peu partout. Bon, voilà. En qualité, c'est un peu moins bien. Et grosso modo, il est moins cher aussi. Voilà. Et puis on a toutes les poires de saison qui commencent. Alors là, c'est quoi en automne? C'est les poires, les pommes? Les poires, les pommes. On en fait. Est-ce quoi, que tu connais celle-là? Écoute, il y en a beaucoup derrière. Il y en a beaucoup. Alors on en trouve en moyenne une quinzaine sur les étals. Celle-ci, c'est vraiment une. C'est ma préférée. Elle s'appelle comment? Je te l'offre. Ça s'appelle la Roubinette. C'est joli quand même. Donc voilà. Je connais pas la Roubinette. En quoi elle est bonne celle-ci, Fred? Elle est plus sucrée que les autres. Allez, alors. C'est une pomme. On va se la déguster, mais tu la coupes, elle est juteuse, elle est vraiment sucrée, elle a un taux d'acidité, elle se consomme crue, cuite, vraiment elle bouge pas, c'est vraiment pour moi une belle pomme. Bon, c'est le coup de cœur de l'automne. Voilà, Fred, c'est la Roubinette. C'est mon coup de cœur. On va voir les légumes un petit peu? C'est parti. Allez, go. Alors, les légumes maintenant. Alors, une petite rectification. On est toujours dans les fruits, Greg. Ah non. Les curcubitacées, les curcubitacées, c'est la famille des fruits. C'est comme les tomates en fait, c'est pas un légume, voilà, c'est un fruit. Voilà, mais comme les aubergines, comme les courgettes, enfin d'accord. Voilà. Alors il y en a. Alors, les curcubitacées, c'est quoi? C'est les courges. Voilà, on va dire les courges. Au sens large du terme. 8000 variétés, enfin plus de 8000 variétés dans le monde. On a le pâtisson, on a les choses qu'on connaît quand même. Hein. Lesquelles? Pâtisson. Voilà. T'as le potiron, potimarron. Alors potimarron, il est là. Alors tu vois là, on a le potimarron. Donc moi j'ai mis le potimarron en velouté, en. Et là tu as le potimarron mais jaune. Ah je connais pas. Jaune et vert. Donc voilà, potimarron vert. C'est une nouvelle variété, Ou ancienne peut-être, non? Très ancienne, mais qu'on retrouve. Ça fait partie. Alors tu sais, les curcubitacées ont plusieurs variétés. Tu as les pépos, tu as les musqués, tu as les maxima, tu sais, c'est celles qui sont géantes, qui peuvent très atteindre, Motachard, 550 kilos. Ça, c'est le record. Le record de France. Ah ouais, quand même. 780 kilos, je crois, le record du monde. Donc, tu imagines, ça fait de la soupe. On peut manger pour pas. La soupe. Mais bon, toutes ces courges, on peut les préparer comment? Parce que c'est souvent des veloutés, c'est des soupes? Non. La courge, c'est vraiment le fruit par excellence où tu peux faire de l'entrée, moins manger cru. Il y en a qui se mettent râpé, une bonne courgette, tu vois, râpé cru avec une moutarde de mousse, c'est très bon. Ça, c'est très bon, c'est vrai. Tu as la butternut qui se mange cru aussi, jusqu'au dessert. Tu vois, la Delicata, qui est une variété très ancienne c'est et très bonne, voilà. Tu fais un sorbet avec ça. Top. Top. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre comme légumes? Le céleri. Là, le céleri, tu as dans les salades l'endive. Alors, céleri, tu vois... Bon, tu peux déjà manger les branches. Tu peux déjà manger les branches. Tu vois, moi, j'aime bien ça. Ça, c'est vraiment typique des primeurs. Tu vas sur un supermarché, tu ne trouves pas ça.
Parce que c'est signe. En général, tu ne trouves que la boule. Hein. Voilà, signe de fraîcheur. La boule, tu peux la conserver 3 semaines sans problème. Mais là, les feuilles, elles vont faner. Donc là, tu peux être sûr que tu vois les feuilles, la qualité des feuilles, elle est belle. Donc tu es sûr que là, il est frais. Voilà. Alors les courges ont une particularité, c'est que c'est le seul fruit qui, une fois coupé, continue à produire des vitamines. Alors que tous les autres fruits sont en baisse. Et ça régresse petit à petit. Voilà, très riche en oligo-éléments, très riche en sels minéraux. Et c'est hypocalorique. Et alors là, tu peux en manger, t'as très très peu de calories, donc tout va bien. Fred, écoute, merci pour tous tes conseils en fruits et légumes. Toi, tu es vraiment le monsieur fruits et légumes d'Avo Fourchette. Et tout de suite, le portrait.